Voici le prélude de Samuel Scheidt, organiste et maître de chapelle allemand. Prélude très ancien, du début de l'époque baroque, car ce compositeur a vécu un siècle avant Jean-Sébastien Bach. Essayez de ressentir le toucher et la pesanteur de l'orgue quand vous appuyez. Bien sûr, n'oubliez pas de respecter la polyphonie, par exemple à partir de la mesure 7. Chaque voix a un rythme à respecter et un nombre de temps à compter pour les notes longues. Si on prend l'exemple de la mesure 7 à la main gauche, on va tout d'abord tenir le pouce, puis quatrième doigt, deuxième, et c'est la même chose à droite, cinquième doigt tenu, pouce tenu, quatrième, n'hésitez pas à faire des substitutions de doigts, du cinquième au quatrième, du pouce au deuxième doigt lorsque vous en avez besoin pour tenir les notes. Mesure 20 apparaissent les doubles croches. Vous pouvez les interpréter avec le doigté 2-4-3. Il faut bien les enchaîner avec la croche qui les suit. À partir de la mesure 26, on ajoute la noire tenue. À nouveau sans la noire. Et à partir de la mesure 34, les voix inférieures de chaque main sont tenues car ce sont des rondes, donc durent 4 temps, toute la mesure. Ici, c'est le pouce. Et à gauche, c'est le cinquième. Vous pouvez interpréter les croches portando, c'est-à-dire détachées. Pendant que vous tenez, bien sûr, le pouce. Vous pouvez également détacher les sixtes à partir de la mesure 45. Mais il faut quand même les phraser.